sur les marges. Ouais, c'est parti avec un énorme départ à l'extérieur de Vincent Beltoise. Et attention à Luger Boson qui est bien placé également pour surprendre Vincent après. Le premier freinage. Vincent s'est rabattu. Louis Gerbozon toujours troisième. Attention à l'attaque de Vincent Beltoise. C'est chaud bouillant derrière. Hein. Chaud bouillant derrière. Vous avez dit que ça serait la bagarre. Ouais. Ça l'est déjà. Christophe Ferrier a pris. Il n'a rien pris du tout. Il n'a rien pris du tout parce que Vincent Beltoise revient sur lui alors qu'il est attaqué par Louis Gerbozon. Ouais, mais il sait, Vincent Beltoise, qu'il ne faut pas laisser partir Ferrier. Sinon, ils ne le reverront plus sur ce tracé qu'il affectionne particulièrement. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est Louis Gerbozon qui attaque son copain Vincent Beltoise. Beltoise, là déjà. Oui, puis il l'attaque sérieusement. Hein. Ouais. C'est pas une velléité, c'est une volonté d'attaque. Voilà Christophe Ferrier. Christophe Ferrier, il sait qu'il doit faire le break, il le fait. Il le fait le break. Oh oui, il a pris là. Oui, il a trois longueurs. Deux secondes d'écart. Ouf. Et le match est entre Louis Gerbozon et Vincent Beltoise, entre l'ALD et la STEF. Et évidemment, Vincent Beltoise, dans cette histoire-là, il ne peut pas à la fois attaquer et défendre. Et il perd du temps par rapport à Christophe Ferrier, ce qui fait que Louis Gerbozon fait objectivement les affaires du leader Christophe Ferrier. Et oui, il s'en va Christophe. Ben oui, évidemment. Et ça, c'est la bonne stratégie, c'est simple, j'appuie, je me casse. Voilà, record du tour pour l'instant. Oui, ben, il va faire la totale. Hein. La vélocité des hommes de tête est remarquable, alors que Vincent Beltoise essaie de se défaire de Louis Gerbozon. Ouais, mais il a du mal, et il y a Louis Rousset qui est dans le coup aussi. Hein. Les trois sont quand même assez groupés. Et il y a les deux Louis derrière Vincent. Allez, pas de problème pour Ferrier, hein. Toujours ces deux secondes d'avance, intraitable. C'est Vincent, Louis et les autres. Hop, alors qu'il y a eu petit accrochage, un petit attaqueux avec nos deux invités là, qui jouent au chat et à la souris. Ah, moi j'aimerais bien être à la place de Stéphane. je visite très bien sa maison. Il y a Clémentine Loss qui se rapproche, tiens, de Sacha Prost, elle l'avait annoncé. Mais tu m'as dit que Karine, elle adorait le football. Ah oui, c'est une spécialiste du foot. C'est du marquage avec la culotte. C'est ça, oui. Merci. Oh, t'attaques que de Karine, et du coup, ça va peut-être se permettre à Vincent Beltoise de surprendre Ferrier, non? Voilà, mais ça revient. Attention, Vincent Beltoise, il est en train de revenir. Christophe Ferrier est en danger maintenant. Ah oui. Et Louis Gerbozon qui attaque, attention, grosse attaque de Louis Gerbozon. Génial la bagarre. Il y va, là, cette fois à l'intérieur, il est bien passé. Il est passé. Ouais, il va passer à l'intérieur. Génial. Le dépassement de Louis Gerbozon, super. Oh, fantastique, attention, il va se faire réattaquer. Oh là là. La bagarre entre Louis Gerbozon et Vincent Beltoise, une des plus belles combinaisons. Ah, mais le dépassement. Vincent Beltoise n'a pas dit son dernier mot, grosse attaque. Attaque contre attaque. Énorme passage de Louis Gerbozon sur Vincent Beltoise. Ouh, c'était terrible. Christophe Ferrier a fait une faute. Christophe Ferrier vient de faire une erreur. Oui. Ça permet à Louis Gerbozon de revenir. On n'est pas fini la finale. On la course, Louis Gerbozon à l'attaque à l'intérieur. Et attention, Patrice, ils vont revenir sur Stéphane Plaza. Ah, ça va être chaud là. Oh là là, ça va être chaud. Et voilà. Attention. Et voilà l'arrivée. Non, c'est pas l'arrivée. On laisse de tout. Attention, Stéphane Plaza à droite. Ils vont passer où? À droite, à gauche. Attention, ça klaxonne. Plaza, mais c'est quoi ce fou là? Attention, ils sont 3-2. Ouais. Et là, il s'est plus allé. Il s'est plus allé, malheureusement, Louis Gerbozon à droite, à gauche. Et c'est Louis Rousset qui en profite pour passer Vincent Beltoise. Incroyable. Oh là là. On vous avait dit que les coups étaient souvent plus excitants. C'est pas fini. Hein. Dans le thermique. C'est pas fini peut-être parce que Louis Gerbozon n'a pas dit son dernier mot. Non. Stéphane Plaza, il doit dire, mais c'est quoi ces fous qui me doublent de tous les côtés là? Incroyable. Ouf. Eh ben dis donc. Oh là là, quel rebondissement. Il sait ce que c'est qu'un grand ensemble maintenant. Reprenons la tête de course. Ouais, parce que là, ça va être le dernier tour dans quelques instants. Attention, la tête à queue, je crois, de Louis Gerbozon. Ouais, Louis Gerbozon, tête à queue. Eh ben. Eh oui, mais Louis Gerbozon, tête à queue. Il y en a énormément. Oh là là. Eh ben voilà. Louis est parti en tête à queue dans le dernier tour. Catastrophe pour Louis.
alors qu'il était en train de revenir. Christophe Ferrier en tête et l'attaque maintenant de Vincent Valtoise pour reprendre la deuxième place à Louis Rousset. Contact entre les deux, ça se bouscule un peu. Oh, Louis Rousset qui ferme la porte et la balance. La balance Valtoise. Oui, et ben voilà. Et ben, il s'est fait des amis, hein. Louis Rousset. Oh là là. Il pourra dire qu'il ne l'a pas volé. Hein. Attendez, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Ils s'en passent tellement dans cette finale. Ils s'en passent tellement. Voilà, on redouble. Tangali, cette fois c'est bon. Elle en aura vu passer. Hein. Ouais, alors est-ce que Louis Rousset va conserver? Oui, sur Vincent Valtoise, je pense. Et c'est donc Christophe Ferrier, ouais, Louis Rousset, Vincent Valtoise. Victoire de Ferrier, on attend quand même Louis Rousset qui arrive très loin maintenant. Le voilà, c'est bon, c'est fait. Vincent Valtoise, troisième. Et grosse déception pour Louis Gervaison, bien entendu. Qui avait fait une partie de la course. Hein. Et super performance de qui? De Clémentine Lens, quatrième de la course. Oui, elle l'a eu, hein, Sacha. Elle l'a eu, Sacha. Dernier tête-à-queue pour Stéphane Plaza. Elle a voulu Sacha, elle a eu Sacha. Ouais. Eh ben, bravo Clémentine. Oh, quelle course incroyable. Hein. Et du coup, Louis Gervaison, sixième. Aïe, aïe, aïe. C'est une des plus belles qu'on ait vues. Hein. De course. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des rebondissements. Les retardataires ont joué un peu un jeu sympa parce qu'ils ont modifié les cartes. Complètement paumé. non, pas lui. Alors, ça serait intéressant d'avoir Stéphane Plaza qui vient de nous raconter sa course. Ouais, attends, il est encore en tête à queue là-bas, donc il a encore peu de ménage à faire. Il est Plaza. Oui. Oh la vache. Eh bien, bravo Christophe, en tout cas, Christophe Ferrier, qui a fait une course parfaite, qui a fait pas le week-end parfait, comme il le disait, c'était compliqué. Il a bien fait de se casser d'entrée. Hein, parce que... Mais il a eu chaud à un moment. Oh là, quand il a revu Louis Gervaison. Mon petit Christophe, ça fait du bien quand on arrive.